Oh punaise, bonjour la VOT, on est sur House of Ashes. On a dû revenir en arrière. Rachel est morte. Non, Angie et Rachel. On a dû revenir en arrière parce qu'on a une partie complètement qu'on n'arrive pas à lancer sinon, en fait. Le jeu ne veut pas. Attends, mais on est où? On est à quel endroit du jeu, là? Bah, on est dans le temple. On a 4% de jeu en moins. Ouais, voilà, c'est quand on a dû fouiller cette pièce. Mais après cette pièce, bah, c'était en gros la scène qu'on avait, quoi. C'est juste qu'on doit la refouiller, c'est un peu chiant. Faut que tu m'encartes sur ton jeu quand tu pourras. Mais pas tout de suite. Là, j'ai peur. Bon sang. C'est sûrement ça que Kélus a détecté. Bon, ça a l'air de marcher. Désolée pour toi. Vraiment. T'as bossé dur pour ces recherches. Ah, merci. Tu n'imagines même pas. Faut pas t'en vouloir. Je retiendrai la leçon. Je vais mettre les bouchées doubles pour réécrire le programme. Kélus sera encore plus puissant. Ouais, moi j'ai d'autres réponses. Tu ne m'en crois pas capable? Oh. Tu ne crois pas en moi? Tu crois pas en moi? Inutile qu'on se flagelle pour ça. Concentrons-nous sur le présent et trouvons un moyen de sortir. Elle a trop raison. C'est quoi ce bruit? Un affaissement? À cause des répliques? On n'a pas le point de vue d'ennemi. Oui, parce qu'il voit la même chose de toute façon. Quelqu'un. T'as bien fait start, hein. Allô, Envy, t'as fait start? Oui. Ouais, je mets le truc. Il capture son jeu. Attendez, je vais voir si je peux le voir, parce que là, ça ne me le montre pas. Voilà, vous allez avoir son point de vue si je fais ça maintenant. Ouais, c'est bon. Ok. Attention. Continuez. Pour le moment, tant qu'on voit la même scène, je vous mets pas son point de vue, je le mettrai après. Les ruines. Attends, hop. Tu me fais peur, tu me fais trop peur. Voilà. C'est bon. Écoutez, on devrait marcher, et je l'espère. Pourrons-nous être utiles. Elles guideront les soldats jusqu'à nous. J'aurais pu recommencer le jeu, il est tellement bien, ça aurait fait plaisir à tout le monde. Non mais... C'est compliqué là. J'en suis sûr. Faut du carburant. Ah, il fallait trouver le carburant. On doit en trouver. Il va être F4 et dire bon bah non, ça a planté. Ah zut, hein. Je regrette de pas avoir demandé de renfort aérien. Dommage. Et voilà, tu lis encore dans mes pensées. Oh, je vais vite un peu. Bon, ok, j'explore. On a déjà fait, donc ça on s'en fout un peu au pire. Donc faut juste qu'on trouve le carburant. Oh, je vois rien. Mais je vois rien du tout par contre. Bah moi aussi elle a une lampe, mais ça c'est quoi cette lampe de nul là? Faut arrêter de regarder en l'air, hein. Ah, secret trouvé. C'est tout naze. Allez, Libra, tu vas demander... Ah oui, ça je me rappelle, ça parlait de quand ils sont venus explorer ces ruines dans les années 1800, machin. Quoi qu'ils aient découvert ici, plus, mais bon, on a déjà fait cette scène et on l'a refait parce qu'on n'a pas le choix. Comment on met la lampe? Ça me met un peu mal à l'aise. Bah, je pense que tu l'as, hein. Tu m'étonnes. Ah non, c'est Shift. Ah, Shift. Gâchette gauche. Petite gâchette gauche. C'était juste une vraie lampe. Ah non, c'était en 1946. Voilà, il y a une expédition ici. Ah, il y a du C4 sur les colonnes. Oui. Des explosifs. Je me dis même plus. Bah non, parce que moi j'avais vu, mais toi t'étais parti déjà. Déjà t'as FK, tu faisais un AFK à l'époque. Rappelle en 2022 comment t'étais AFK? Voilà. Non. Ah oui. Je commence à croire que même les Irakiens ne connaissent pas cet endroit. Bah si, ils ont tout mis du C4. Tout était en place. Ils avaient prévu de faire sauter tout le temple. Il faut que tu vois ça. Ah, elle m'a dit il faut que tu vois ça. Et où? Ouais, parce que j'aurais dû une porte défoncée par des... Ouais, des impacts de ouf. Je comprends pas comment j'ai pu autant me planter. Putain, mais elles servent à quoi du coup leur lampe frontale? Ouais, mais c'est ce que c'est, hein, c'est... Où que tu sois, Nick. Pas ouf. J'espère que ça va.
Et qui Nick? Bah je sais pas. Je m'en rappelle pas lui. Non, bah du coup c'est un autre. Non, toi c'est Eric. Moi c'est Eric et toi c'est quoi? Rachel. Rachel. J'espère qu'on va pouvoir le démarrer. Moi j'en sais rien. Ils ont catalogué ces éléments. Quelque part. Nick. Si, je crois voir qui c'était. Rachel, il faut que tu vois ah ça. Ah si, c'est Rachel. Oui, bah c'est ce que t'as on dit. On se dit les mêmes choses en inspectant les trucs. Bon, viens, on trouve de l'essence là. Le canon est foutu. Dans la tente, je crois. Ceux qui ont franchi ces portes n'avaient aucune chance. Ou autour de la tente. Je crois n'est pas une information exacte. T'analyses comme une IA ce que je te dis ou quoi? Je crois que c'est pas une information exacte. Tiens, c'est ça, ça c'est du carbu, voilà, j'ai trouvé. J'avais dit autour de la tente. Aussi vieux Clox. Mais fermez-la tous là! Dire que je suis vieux! Rachel, aide-moi avec ces bidons. Tu m'as niqué. Tu m'as niqué auprès de ma commu. Ils sont pleins. C'est vrai, je suis désolé. Voilà, on va mettre de l'essence. Ça va ta jambe? C'est vrai qu'il y a une patte folle un peu là. Oh, tu parles de ma prothèse? Ma jambe elle est restée sur l'autoroute. Culpabilise. Wow. C'est dur avec toi, Rachel. Allez, je reconnais. Ah, c'est elle qui conduisait. Il lui balance, il veut acheter du. Pour rien. Bah oui. Allez, au boulot. Oh l'autre. Oh la punchline. Il a envoyé un nion. Putain. Bah super. Il y a des bébêtes, il y a des chauves-souris. Les cafards et tout là. Mais oui, Trapil, t'es vieux, t'inquiète vers pas. Vers le réservoir. Ah, j'ai fait un rêve chelou cette nuit à cause de Grandi qui rêvait que je tuais une araignée et que je me mettais ses pattes collées sur moi. Oh, mais vu que c'était pas une araignée immense, ça faisait chelou. Genre, je me collais des pattes d'araignée sur mon torse et tout. C'est desserré. Hein? Cette saleté de valve fuit. Oui, j'ai mis du temps à comprendre que c'était à cause de Grandi que j'avais pensé à ça. Pour resserrer le tuyau avant de lancer. Parce qu'on a joué à Grandi hier soir. Il y a forcément de quoi le réparer. Lui, quel des headshots qu'elle aime. Tu t'en sors? Pattes d'araignée en mode butin de guerre. Alors t'inquiète. Oui, en fait, non, en fait, c'est que bah, je me suis fait une armure en fourmi. Et faut rester concentré. Dans Grandi. Problème, et en fait, j'ai rêvé de ça, mais avec des araignées. Mais oh, c'était chelou, merci du conseil. Je vais faire en sorte que notre séparation ne gâche pas la mission. Concentre-toi sur ton job. T'inquiète, je sais exactement ce que je fais. Je pensais pas du tout se dire un truc aussi vénère. Tiens-moi ce tuyau. Je pensais qu'il il devait dire nous devons rester concentrés, il te dit concentre-toi sur ton job. C'est bon. Une armure en pâte de souris? Non, c'était dans mon rêve, c'était en pâte d'araignée. Ouais. Et aide-moi avec ce panneau. Je suis d'accord que franchement, à deux mots près, ça change vachement le ton. Regarde un peu leur état. Elles sont mortes. Quoi, c'est des lampes? Ça faisait un bail qu'on n'avait pas bossé ensemble. Et fusils? Bizarrement, c'est comme si c'était hier. Des résistances? Allez. Pourquoi on a tout caché? J'ai essayé. Mais t'as rien fait pour que je reste avec toi. Oh. On aurait dû s'accrocher. Bon, faut qu'on respire bien comme il faut. Je crois que ni toi ni moi n'imaginions qu'on resterait éloignés si longtemps. Cette dernière année, je l'ai consacrée à Kellus et j'ai fait abstraction du reste. Ça ressemble plus à une excuse toute trouvée qu'à un mea culpa. Ni l'un ni l'autre, c'est la vérité. Tu parles. Tu savais même pas si Kellus fonctionnerait. Oh. Oh non, notre relation l'a baissé. On va mourir en étant énervé l'un contre l'autre. Dis-moi ce que tu penses. Ah, je suis en mode connard. Allez, moi je vais être gentil. Tu m'as manqué, Rachel. Tu n'imagines pas. À l'époque, je sais pas, tout semblait complexe, mais... maintenant, tout paraît plus simple.
Peut-être qu'on a encore une chance. Ah. Ça devrait marcher. Divorcez pas, vous êtes frangin. Non, t'es mignon. Waouh. Waouh. Je vois des mots, je... Non, pas cela, c'est des connards et j'en joue pas avec eux. Mais Biscoute, comment vas-tu? Merci beaucoup pour le raid. Bienvenue à vous. Pour ceux qui veulent pas se spoil, on est à peu près 24% de... du jeu. Ah si, en gros. 22,5. 22,5. Franchement, vas-y. Si ces gens ont pu entrer, c'est qu'il y a une issue. Et je joue avec Envy, mon frère. Voilà. Coucou, merci beaucoup. Ah, t'es nique, Envy. Salut, Baby Scoot, merci beaucoup. Bienvenue à vous. Et d'où les créatures elles tiennent le coup face à des armes de guerre quoi. C'est mais de la chair c'est parce le que... truc. Mais t'as vu comment ils sont grands et rapides. Je parie qu'ils les visent jamais. Moi je l'ai touché là. Bah je l'ai touché là. Oh bah moi aussi hein. Bah on le voit de toute façon. Ah mais il s'en va, il s'enfuit, il va même pas mal. Ça va être ça pour sauver l'autre con là. Ah oui c'est vrai, non mais on l'avait abandonné je crois, on en avait rien à foutre. Non c'est lui qui voulait. Oui, bon on a un petit peu... on l'a vite écouté quoi. Ouais, ça c'est vrai. Partez sans moi, ok. Non, c'est pas de me... on y... c'est déjà parti. Ah attendez, moi je traverse. Vite, je te suis avec Erwin. Complètement taré. Ouais, je crois que je vais devoir faire un QTE. Du coup, c'est un Batman. Ah, mais ouais, un petit truc comme ça. Ah, oui, c'est vrai, non, y'a pas de QTO, y'a rien. Mais oui, mais les monstres. Bah, ils... En vrai, ils crient beaucoup, mais pour le moment, ils font rien. QTO qui va être raté. Eh, hey, arrête, eh, hey, hey, eh. Ça va, oui. Fais des trucs. Ah, merde. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vois que t'as fait le raté. Oui, mais parce, attends, que... on a pas échangé, parce qu'il m'a dit que j'allais le rater. Oh putain, je suis pas concentrée. En plus, je lisais réellement le chat en mode attention, ça va partir. Vous me voyez même pas parce que j'avais pas vissé ma cam, mais. Ouais. Allez. Oh putain. Allez, faut examiner le mégaphone. Comment s'en sortent les autres, tu crois? C'est la PNV d'Envy, la POV d'Envy en haut à droite. Ils tiendront le coup. Pour ceux qui savent, qui sachent pas. Eric, regarde ça. Bon bah... Tu crois qu'il fonctionne? Essayons, ok? La bande est toute emmêlée. La PNV, oui. Ça va, c'est réparable. Waouh. Parce que je l'ai dit un peu vite, comme toi hier avec les mouches. On dirait que tu tiens encore à ton alliance. Les mûches. Et la tienne, la vois pas. Je la porte contre mon cœur. Oh. Oh là là. C'est beau gosse. Ah, va lui arracher. T'es un mec bien. Oh, merci. Peut-être trop bien pour moi. Oh. Mais elle s'en veut trop, la pauvre. D'avoir niqué ma jambe sur l'autoroute. N'ai pas oublié ce que cette bague représente. Allez. Je veux que tu reviennes, Rachel. Quoi? C'est le moment? Ouais, je me... un mûcheron. Ouais, il arrêtait pas de dire les mûcherons. Les mûches. Ça marchait hier. Plutôt bien, nous deux. Attends, je vois Gondil. Oh! Allez. Tu m'as gosse? Tu m'as évité? Tu viens de me friendzoner, là? Tu m'as mis un vent? On est comme... on est frères et sœurs, hein. Je crois pas. Mais pas eux. Qu'est-ce que t'attends de moi, Eric? Tout simplement la vérité. Oh non, ça je dégoûte. Putain, mais tu fais comme Dylan m'avait fait. Mieux que tu le crois, Rachel. J'en ai marre de me faire friendzoner dans ces jeux. Et pas pour me cacher que tu fumais en secret. Je sais que t'es méchante. Mais non, c'est toi, elle. Admets-le. Non, mais c'est toi, lui. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Friendzoné par Dilo et Envy. Nous avons mis le pied dans un lieu inexploré et réveillé une présence ancienne et dangereuse. Le Balrog. Qui prend une forme purement indescriptible.
depuis des siècles. La meuf, elle est dans la grotte la plus horrible du monde. Elle entend un petit enregistrement et elle sursaute. Que je dois faire, mon devoir. Nous devons sceller ce lieu à tout jamais. Pour l'humanité. Marie, pardonne-moi. Oh bah. Hey. Ils sont choqués, hein. Ok. Là, va falloir se planquer et tout et tout. Alors qu'on se tire. Oui. 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 Merde. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Et lui, il fait encore la guerre, il a pas compris. Ouais, ouais, il... et chacun ses prios, apparemment. Mais t'es sur autre chose, quoi. Ah, on est toujours avec lui. Toi, t'es nique. Moi, je sais pas qui je suis. Mais toute cette phase, ça faisait que 4%. Bah, 4% de cinématique. Couvre-moi. Je vais tous les tuer. C'est quoi ce bordel? J'en sais rien, Nick. C'était pas censé se dérouler comme ça. Patrouille, ici King. Monster, répondez. On subit des tirs, quelqu'un pour terminé. C'est Rachel. King, ici Melman 2-1 actual. Répétez, terminé. King, ici Melman 2-1 actual. Est-ce que vous me recevez? Merde. T'as entendu ça commenter? Ok. Laissez-moi ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est toi qui choisis si on laisse ici ou pas. La ferme, Merwin. Laissez-moi là. Ah, c'était lui, mais j'avoue, c'est pour ça aussi que je l'avais abandonné vite, parce que je m'en foutais. Bah oui! J'avais oublié. Je me fous de savoir ce que c'est. Je les bute! Soit on l'abandonne, soit on meurt aussi. Arrête tes conneries! J'avoue, j'ai la flemme de faire la scène intense et dramatique. Allume-les, mon pote. Rien soit à l'abandonne, allez, soit on meurt lui. Allez, vas-y, mon pote. La seconde d'après. C'est honteux. J'en fous. On l'aime pas. Ouais, moi je l'aime pas. En plus, il a un vieux flingue. L'autre avec des armes de guerre, ils l'ont pas touché. Et lui avec son petit Makarov là, il croit que. On est où? On est où? Bah voilà. Un de moins. Oh mais lui on peut pas le jouer. Y'a rien de simple dans ce trois rats. Je pouvais pas vous le dire avant de le traîner sur 2 km. C'est vrai que s'il nous avait dit ça il y a 3 scènes, c'est un petit peu rapide. On n'a pas le choix. Est-ce que tu le vois? Ouais, il arrive. Ah, oh, c'est ça, tu fais un choix. Éteins ça. Putain. Oh putain. J'ai refait le choix où on se cache. Oh non, j'aime pas. Foire pas. J'ai foiré. J'ai pas fait exprès. Merde. Oh non, mon nez mort. Oh non, mais t'es chiant. Mais c'est toi là qui a foiré. Attends, faut qu'on trouve des moyens de. Oh merde! Qui on laisse mourir? Je te tiens, Rachel! Non! Ah ouais! Qui meurt alors, Rachel ou lui? Bah, ça dépend. En fait, moi, je vais devoir te couper ta corde, je crois. Ouais. Non, mais t'imagines? Genre. Arrête de bouger comme ça! Et là, il fait plus rien. Ils sont trop nuls, hein. Bon, jouer le film, ça sert à rien. Ça fait à peine gagner du temps. Toi, tu peux rien faire. Ah, bah non, mais tu vois la même scène que moi. Rachel, essaie de t'accrocher! Je vois rien! C'est trop sombre! Bah, on voit quand même un peu. Allez,
Marshall, arrête de t'agiter. On a un petit clip, je crois. Quoi, équipe de 2020, pas, coupe oui pas. Bah si, 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 moi, je vais couper. Non, moi, je vais couper. C'est pas moi qui dois le faire. Ah oui, tu peux le faire. Je crois que j'avais le choix aussi. Allez, je coupe pas. Tu coupes, hein. Tu nous tues pas tous les deux. Non, bah non, je vais couper. Bah, je crois que je peux couper. Oh, je vais tellement mourir. Elle a fait de la... Somnus. Ah bah non, faut que tu coupes. Non, bon, ouais, je coupe. Hein. Non. Elle faisait rien, elle sert à rien. Mais oui, elle sert à rien aussi. Elle essaye pas de s'accrocher. Il est content. Et il s'en va. Alors qu'il... Enfin... Genre il a rien accompli. Le gars, il a tiré dessus. Ah, bon, bah écoute, hein, tant pis. Dans quel cauchemar ces pauvres âmes ont-elles donc échoué? Les ténèbres ont englouti la pauvre Rachel. C'est le résultat du frenzonnage, exactement. Des liens que l'on pensait jadis inaltérables se retrouvent maintenant brisés. Le cœur est toujours. Toi, tu m'as coupé la corde, quoi. Bah oui. Tu m'as buté ? Oui. Mais je pouvais faire quoi ? Ils sont frères d'armes, mais les parts d'ombre de leur passé. Tu m'as buté ? Je pouvais rien faire. N'oublions pas qu'ils c'est ont chaud, d'ores hein. et déjà abandonné un homme à son sort. Écoute, tu voulais speedrunner le jeu. Voilà. Ce qui nous amène à Salim. J'ai foiré. Il semble raisonnable. Un soldat. Ouais, c'est trop long pour t'as foiré, c'est chiant. Lui. Moi, j'étais à fond. J'avoue que si t'avais pas foiré avec QTE. Attends maintenant nos survivants. Mais c'était dur, fallait appuyer sur A en rythme. Englouti par le nez. T'es censé savoir faire ça, hein. Une par une. Franchement, c'était plus dur que Melania sur Elden Ring. À moins que vous ne trouviez un moyen. Moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai pas raté. T'écoutes ce qu'il dit je un peu. Je ne suis pas du genre à m'immiscer dans les affaires d'autrui d'ordinaire, mais. Cela rend les choses intéressantes. Je pourrais vous adresser un conseil, si toutefois vous me promettez que cela restera entre nous. De qui va vérifier, hein connard? Non. Vas-y, accepte. D'accord. Ah ouais? Non. dis non ou pas? Accepte. J'accepte. Ah, tu veux... Vous pouvez non, dire vas-y, non. Dis non. Un choix prudent, tout bien considéré. Ah ouais? J'ai autrefois croisé la route d'un poète aveugle qui m'a fait part de cette sage réflexion. Long et dur est le chemin qui de l'enfer conduit à la lumière. Pas du tout ça. Ça nous aide pas du tout. Ce sera tout pour l'instant. Moi aussi je peux faire des indices comme ça. Yoda a dit un jour, si tu pètes à Toulouse à ton addition, mais c'est super. On a deux. Non mais l'autre il l'appelle hein. Remonte. J'ai merdé Rachel. Je suis désolé. Ouais ça va, elle a niqué ta jambe. Bon. Et pour tout le reste. Non. Putain mec, qu'est-ce qu'on vient de faire? Ça fait longtemps. C'est ce que Merwin voulait. Fais-toi bien. On va leur atterrir sur la gueule. T'as bien vu son état? Oh, peut-être. Tu crois qu'il pouvait prendre une décision? Maintenant c'est fait sergent. Ouais. Encore du sang sur les mains. Ah non, ils sont au même niveau. Rachel, ça va, t'as pas trop mal? Colonel, c'est bien vous? Où est passé Rachel? Oh, on s'est fait attaquer par l'ennemi. Je crois qu'il est toujours là. Nous t'inquiète, il est parti. Il est parti comme et ça, avec un petit sourire. Rachel? Aucun sens. Elle est tombée. J'ai...
J'ai tenu. Autant que j'ai pu, je te jure. Ouais, c'est vrai. Mais elle m'a traîné avec elle. Jusqu'à se faire tirer dessus. J'ai pas eu le choix. J'ai dû couper la corde. Rachel ! Il faut partir. Colonel, c'est trop risqué. C'est... Oui, d'accord. Il faut qu'on se replie. Maintenant, par là-bas. On fonce ! Bon, au moins, ils sont trois, là. Oui, ce sera rapide. Oh, impressionnant. Ah, on aurait dû trop faire la diversion. Oui. C'était toi qui pouvais choisir, moi je pouvais pas. C'est vrai, c'était moi. Mais c'était pas toi. Doucement. Je voulais peut-être la pression. Pour l'instant, colonel, les Irakiens sont le cadet de nos soucis. Ils nous suivent pas. Si en plus, elle avait l'air plus réfléchie que la plupart des gars. Vous me recevez ? Terminé. Oui. Joey, réponds-moi, terminé. J'avais plus confiance en elle qu'en lui. Il est mort. Ouais. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Les Irakiens l'ont descendu. Il a crevé dans mes bras. Oh non, pas Joey. Comment on va sortir de cet endroit ? Waouh. Des spots partout. Ah, ils ont, on avait remis le courant, mais ouais. Oui, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui faisaient une fouille, et puis ils ont réveillé le truc, là, et ils sont tous morts. Lieutenant, pourquoi les Irakiens seraient le cadet de nos soucis ? Vous croyez en Dieu ? Ah oui, ils ont pas vu encore eux. Ouais. Absolument pas. Bah vous devriez. Quelque chose veut nous tuer. Je sais pas ce que c'est. Vous allez jamais me croire. Merde. J'y crois pas alors que j'y étais. Des monstres. Des monstres ? N'importe quoi, vous vous faites des gilets. Chef, sauf votre respect. Lieutenant, on est aux prises avec un ennemi irakien, peut-être plusieurs. Quoi que vous pensiez avoir vu, c'est du vent. Ces statues. Nick, prends une photo dans ta tête et arrête ces conneries. C'est quoi ce lieu ? C'est pas un silo. Laisse-le regarder autour de lui. Non mais quel fiasco. Je peux régler ça. Et le satellite. Je vais revoir les données pour améliorer l'algorithme. Il suffira d'une mise au point. Mmh. Oh, je vais pas m'énerver. C'est compris, chef. Ça sert à rien. Vaut mieux qu'on avance. Les réactions. Restez là pour garder. C'est pas la créature qui a éteint. On va aller d'accord. Voir. C'est générateur. Du coup, c'est les Irakiens. Ouais, c'est le connard qui nous poursuit là. On prépare le générateur, mais on fait que ça. Vraiment génial. Le système vient ici. De satellite thermique d'Eric. Visiter d'autres pièces, moi. Alors c'est ça, les fameuses armes chimiques de Saddam. Mais c'était une autre pièce, hein. Ah ouais ? Vraiment de quoi flipper. On est fous. Bah, il y avait pas les statues comme ça. Eric va avoir quelques explications à fournir. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas. Si, si, t'as raison, si, c'est... Le générateur a planté. Je vais réparer. Voilà le générateur. Oui, peut-être, t'as du boulot. Allons jeter un œil. Tu peux venir m'aider ? Tout de suite. Ah, c'est un sabotage. On dirait que quelqu'un ne supportait pas ce truc. Du sabotage ? On dirait. Oui, c'est sûrement lié au fait qu'il supportait pas l'objet et pas au fait de vouloir couper le courant. C'est le gars là. C'est le militaire. Arrête tes conneries, dépêche-toi. Parce que d'après toi, j'ai envie de déconner. Un sabotageur, bien oui. Bien joué, sergent. Un sabotageur. Le mec leur a laissé remettre le courant, quand même. Ouais. En même temps, il a vu qu'il était plusieurs et s'est peut-être dit ah. En fait, c'est chaud. Sabotage, okay, ouais. Une manne de 1 actuelle. On s'enfonce un peu. Terminé. Bien reçu. Soyez prudents. Terminé. Ça se sépare. Voyons où mènent ces câbles.
Oh, l'horreur. On est comme dans Fort Warnet un peu. T'en penses quoi? Les explorateurs? Y'a de la lumière. Oh, y'a une grenade. Ah oui! Non, j'ai... Je tenais pas la manette, putain. Et toi, tu t'en sors. J'avais posé la manette, c'est de la merde. Bah oui, il faut pas, il est QTE, hein. Alors, il voit même pas un câble, nulos. Putain de merde! Ça doit être le gars qui a plombé Eric. Ce salopard nous poursuit. Kolchak, vous êtes là? Répondez. Je vous reçois, Dropkick. Vous avez entendu l'explosion? Terminé. Un peu que je l'ai entendu. Tout va bien? Il vient de l'appeler ça Eric, va. Après il fait Dropkick. Les Irakiens nous avaient laissé un petit cadeau. Soyez prudent, terminé. C'est son nom de famille, bien reçu. Je vous rejoins, terminé. Il nous rejoint. Cool. J'espère qu'il a pensé aux bières. Bon, de faire des blagues, toi. Ouais, je déteste. Ouais, tu te vois bouger bizarre. Oui, oui, je me déplaçais très bizarrement. Tu fais un peu peur. Ah, moi, je vois que t'as un attente. Ouais. Ah, ça va peut-être débloquer. C'est eux. Et pourquoi tant de délicatesse? Les zones, les mecs qui parlaient, ouais. Caisse en bois. J'espère qu'il va amener les bières. Ils attendent peut-être un peu plus loin. Doucement. Chut. Silence. C'est pas duré? Rachel. Il est vivant. Non, pas trop la voix on de entend Rachel. Bien le cri. Monsieur. C'est la voix. C'est pas possible. On vient bien de l'entendre. Non. Je suis sûr que c'est sa voix. Mais il y a d'autres gens. C'est ce putain d'endroit, Jason. Je te promets, je l'ai vu mourir. Mais c'est pas m'en vrai. M'en veux pas, mon pote. Mais tu tournes pas bien rond. T'as peut-être aussi, au début, il y a un mec qui est mort, il s'en est servi comme bouclier ou je sais plus quoi. Peut-être. Tout début, là, pendant l'attaque. On n'en sait rien. Et non, on ça va peut-être personne. Être irakien, on va peut-être le sauver. Semper Fi. C'est celui que tu joues Semper au début. Semper Fi. Hey, je peux savoir ce qui se passe ici. On a entendu Joey dans Semper Fi. Semper Fi. Enfin, on a cru que c'était lui. Vraiment? C'était lui, je c'est sais. C'est pas les gars de la marine? On va aller le sauver. C'est ça? Je vous rappelle que c'est moi qui commande ici. Je passe devant. Overlay Discord. On voit un overlay Discord, mais je vois pas. Allô? Allez. Ah, peut-être chez moi? Non, okay. Je passe devant. Ah, peut-être. Non, je viens avec vous. Ouais, c'est un parfait, c'est bien la marine. Je regardais. N'importe quoi. Il est plus. C'est pas possible, y'a rien fait. Ah, c'est peut-être oui, quand j'affiche le truc de d'Envy, des fois vous voyez un overlay peut-être. Je sais pas. Ouais, moi je l'ai, je crois. Ah non, je le vois même pas. Ouais, je sais pas. Ah, mais tu vois pas la même chose que moi. On est séparés. Regardez partout. On l'entend encore. Qu'est-ce que t'as vu? Ah oui, c'était la créature que j'avais fait tomber le camion dessus. Ici Mainman 2-1 actual. Joey, tu me reçois? Réponds-moi, terminé. Et ouvre-le! Je te vois avec ton truc. Ah voilà. C'est à Joey. Il est mal en point. Il faut se dépêcher. Vous étiez avec le sous-caporal Gomez? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh là là, c'est une grosse main quand même. Il est mort. Je sais pas ce qu'on entend là, mais ça peut pas être Joey. Ouais, au combat c'est parfois difficile de s'en rendre compte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez pu vous tromper, sergent. Retenu. C'est vous le dites, colonel. T'énerve pas, mec, ça sert à rien. Espérons seulement qu'il est encore en vie. On a subi assez de pertes. Non, mais je vais pas lui débiller le passage quand désolé, même. Désolé, chef. Hein. Pour Rachel. Tu peux... Vraiment je suis en train d'enlever tous les débris qui sont sur lui. Pas moi. Je me casse en je fait. La connaissais mieux que ça.
Putain, mais y a pas le choix de faire ça. Il tape les choix pour rien. Les armes. Faut rien laisser au hasard. C'est un trou sans fond ou quoi ? Putain, il veut pas escalader juste ? J'ai remarqué des fissures comme celle-ci au temple. Oh là là, enculé. Je crois qu'elles sont dues au séisme. Poursuivons notre route. Ah ! Voilà, on était sûr. Vous savez, hein ? Caporal Gomez, ici Dropkick. Vous me recevez ? À vous. Je vais peut-être pouvoir venir. Peut-être en cours là, je sais pas. J'explore avec les gars. Il s'est passé un truc vraiment horrible ici. Ah, il aime pas la lumière du soleil. Ah. Bah là où je suis, il y a de la lumière. Ah, j'entends du bruit. Et t'as une arme. Quel merdier. Faut me couvrir. Mais j'avais bien visé. Ah ça va, je vais tirer dessus. Oh, j'ai une trousse de soin. On y va. Putain, toi ça a l'air trop intense, moi je me promène. Moi c'est grave intense. Il y a trois nouveaux militaires. Il n'est peut-être pas seul. C'est parfait pour une embuscade. Avançons prudemment. Mais ils se ressemblent tous, ils sont pas importants. Non, faut se manier. Oui, ils vont mourir. Joey a besoin de nous, il faut se dépêcher. Ah. Joey, c'est toi ? Mais c'est pas Joey, arrête de rester avec Joey là. M'énerve. C'est vrai. Avançons prudemment. Oui. T'as rien d'y aller dans la précipitation. Oh là là, mais j'en ai marre de me taper ces trucs là. Merde. Plus sombre, je t'en prie quoi. Bon moi je préférerais ça que devoir encore me faire du piou-piou contre un militaire. C'est vraiment la peur. Nous ouvrons une grenade. Ah ouais, c'est intense là. Mais ouais, mais c'est contre l'autre connard qui nous poursuit. C'est même pas contre des créatures, c'est nul. Oh, j'ai retrouvé la créature, non mais. Génial. J'ai qu'une barre à mine pour me. Si Melman 3 a pas une barre métal, un actual. Répondez, lieutenant, à vous. Ici Melman 3 à Melman 2 1 actual. Répondez, lieutenant, à vous. Melman 3 à Dropkick, colonel. Vous êtes là ? À vous. Elle n'entend pas. Oh non. Ah, moi j'attends des créatures là, je crois. En attente de l'autre Rougadol. Comme on dit en Irak. Ouais, mais je dois finir ma cinématique. Espagnol. Je sais, je sais. Oh là, ça va, on tu est sers. Où, là ? Tu sais que c'est Rougadol. Ça hein. Ça y est, on s'est croisés. Par là-bas, il y a un démon. Oh, c'est une chauve-souris, quoi. Qui marche en crabe. On peut s'en sortir. Mais il faut qu'on s'entraide. Et je pouvais trop faire l'enfoiré. J'en suis sûr. Mais là, par contre, ils réagissent au bruit, au son. S'ils t'entendent, ils te traquent. Je connais leur point faible, la lumière du soleil. Vos balles ne feront que les ralentir. Même si un camion leur tombait dessus, ils seraient à peine agacés. C'est vrai. On va faire c'est ça vrai. Ensemble. Ok. Retrait pile. Vous entendez ça ? Oui ? On entend du hanté.
Moi, je peux rien dire. On peut l'éliminer. Placez-vous sur le côté et attirez son attention. Je m'occupe du reste. Je sais pas si j'ai bien fait de dire ça. Oh, je peux dire ça. C'est rigolo. Après vous, Superman. Ok. J'avoue, c'était un peu nul en fait. C'était vachement moins bien que j'imaginais. Je sais pas. On pouvait le contourner aussi. Moi, je pouvais dire ok, allons-y doucement ou après vous, Superman. Putain, il y avait un QTE. Faut pas poser leur manette, hein. Je suis pas très discret, moi, je trouve. J'avais un QTE pour mâcher sur un caillou. Non, pour éviter, putain. Ouais, ouais, je sais. T'as sûr que tu vas avoir un QTE. On a vu un enfoiré, on est fichu. Ouais. Il était rapide. Ils sont rapides, ouais. Ils sont rapides. C'est un B. Qu'est-ce qu'il branle là? Faut que tourner autour depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ils prennent un temps de ouf à le contourner, tout ça pour l'attirer. T'es couré quoi. Je crois c'est qu'il y a une lumière du soleil. Je fais quoi moi? Pierre. Voilà. J'ai plein de balles. Alors qu'on pouvait juste faire du bruit. Vas-y. Au moment, je l'ai eu. Ça a pas mis un coup. J'ai placé mon truc dessus, j'ai... Passé, ça va? What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? J'ai placé mon truc en place sur lui, c'était rouge. Ouais, ça... Il est resté comme ça. Putain, tu l'as jamais eu affaire à des ennemis aussi vicieux. Oh non, t'es touché? C'est quoi ces choses d'après vous? Honnêtement, j'en sais rien. J'ai pas pensé à demander. Et vous? Ça va quoi? Hâte de faire ton show là. Je ne sais rien de ces créatures. Je ne devrais pas être là. Je devrais être chez moi. Avec mon fils. Ouais, je comprends. La famille, c'est important. Oh, merci mec. Je n'aurais jamais dû venir. C'est son anniversaire. Dommage. Vous seriez mieux avec lui. Il a quel âge? Assez vieux pour se prendre pour un homme. À le moment. Alors, le problème, c'est que les QTE d'attaque, je sais jamais sur quoi appuyer. Il fête ses 18 ans. Y a pas d'info. Moi, je crois que c'est la gâchette. Ah, je l'ai fait. Ouais. Mais ouais. À mon avis, vu qu'il était pas avec une arme à distance, je sais pas. Vous savez quoi? Ah, peut-être. C'est vrai qu'il se dit pas. Votre plus beau cadeau pour lui. Ouais, y a pas d'info. Ce sera de revenir en vie. Ce serait de vous voir rentrer chez vous. C'est la seule chose qui me fait tenir. On est trop des bros. Si on est en enfer, je devrais au moins vous dire mon nom. Nikkei, sergent. Salim Othman, lieutenant. Armée irakienne. T'en déconnes. Ah oui. Oui, bah ça tient. Bienvenue dans un jeu vidéo. Mon dos a été monté. Mailman 2 à Actual à Mailman 3. Tu me reçois? À toi. Ouais, je te reçois bien, mon vieux. Je vois ta torche. Avance encore. Je suis droit devant. À toi. Je viens te chercher. Retour, ça dépend de Lox et Envy, donc c'est pas gagné. Eh hey, oh, moi je suis gentil. Vos amis ont intérêt à se tenir à carreau. Vous devez me faire confiance. Oh, ils vous feront rien. J'aurais pu te dire de te cacher. J'aurais peut-être dû, j'avoue, je regrette. Je peux rester ou fuir?
Bah moi je pouvais dire de ça va aller ou cachez-vous, prudence. C'est bon. Bon, ok, on va voir. Venir à Caro. Lâchez votre arme tout de suite. Non mais il est gentil. Arrêtez de braquer votre arme sur moi. Non mais Nick, dis un truc. Doucement, on se calme, on se détend. Voilà. C'est pas un ennemi. Voilà. Je ne vous veux aucun mal. Vous allez faire une grave erreur, soldat. Baissez votre arme tout de suite. Mais stop, t'excites pas là, bon. Écoute. Baissez d'abord la vôtre. Lâchez votre arme ou on tire. Mais quel cobaye. Lâchez votre arme tout de suite. Mais pourquoi tu t'excites? Pas fait tout ça pour me faire tuer par un américain à la gâchette facile. C'est l'autre. Voilà, c'est lui. Ok, ça suffit. Ce n'est pas la peine de nous battre. Plus maintenant. Bien joué, beau gosse. Je devrais me contenter de vous mettre une balle dans le crâne. Mais pourquoi? Ça ne changerait rien. Connard! Je serai toujours en enfer. Ne me tentez pas. Derrière. Il faut qu'on retourne au temple. Et Nick dit des trucs là. Si t'en veux quoi que ce soit, tu le descends. Mais quoi? Après tout ce qu'on a vécu. Sérieusement. C'est une traîtresse. Mais pourquoi? Je pouvais rien faire. Ah mais non, mais tu m'as tué, là, tu me trahis. Sans ça, ton style. C'est Rachel. Ça veut dire qu'elle est vivante. Ouais, bon, elle est vivante. Un grand mot quoi. Ah, une sale gueule quand même. En fait, on l'a pas tué. Prenez trop fort. Oh, laisse tomber. À votre guise. J'espère que c'est pas moi. Combien d'hommes avez-vous? Ah, si, c'est toi, Rachel. Moi, je suis allé. Oh non, mais la putain de sa mère, regarde ce que c'est là. C'était les pires situations. Ah, mais putain, mais c'est horrible. C'est tout près, n'est-ce pas? Où sont-elles cachées? Répondez! Mais arrête de t'exciter contre lui! Vous n'avez pas idée de ce que vous affrontez. Mais oui! N'avez-vous pas vu ces démons de vos propres yeux? Je ne sais pas ce que j'ai vu. Moi, c'est... Calpac! Il y a des monstres ici! Des monstres qui se nourrissent de chair! Merci, Trafim! Oh non, mais un fantôme! Allez, ta gueule! On était sûr. Pas dans le sang. Merci beaucoup, Trafim, pour les 5 abocados. Non, Yarna, oh, et les Alamas, je suis très contente, merci beaucoup. Merci, Trafim, c'est adorable. Il choisit un silence intense. C'est l'horreur. T'as tout suivi de la conversation. Ouais, bon, c'est un peu. Ah, t'es méchant, dis-nous des mots. Et il dit, bah, on a d'autres problèmes. Et un part. En gros, c'est ça. Merci beaucoup, Trapil. Merci, Trapil. Merci beaucoup, c'est adorable. J'ai pas trop suivi, j'avoue. Ça va secouer. Bon, tu t'en sors? Oh putain, moi j'explose tout, hein. Vous avez coupé le cordon, elle doit se débrouiller seule maintenant. Exactement, Rachel, c'est fou. C'est longtemps pour les repérer sur les caméras. Je me mute sur Discord, mais pas en vrai pour tous, c'est très bien. Les meringues et ça déglingue. Ouais, ça. Putain. On a de la chance d'avoir survécu. Mais regarde des vieux trucs en plus! Je dois la vie, mec. Je suis content de me battre à tes côtés. Apaisement. Tu sais que tu peux compter sur moi, mon pote. Apaisement. Quoi qu'il arrive. Tu le sens là que c'est une vie qui serre les fesses là. Mais grave, et regardez, il a les pires situations entre nous, on discute, on se dit oh, je suis là pour toi, mon pote, et tout. Salut JM, très bonne année à toi. Tu trouves? J'espère que ça va. Je me demande combien d'endroits comme ça on a fait sauter sans réfléchir. Ces reliques sont bien mieux enfouies dans la terre. Mais lui bouge! Ces gens ne voulaient pas... 3 heures l'animation, quoi. C'est horrible. Non, rien dire. Non, j'ai pas envie. Personne n'a jamais la bonne réponse. Mais passe, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mainman 2A actuel, ici Dropkick. Bon rapport, terminé. Ah non, mais son Vendis, ils sont... actuel, bien sûr. Il marche que pour le stream, mais pas pour Discord. Mais sinon, j'aurais des streamers, ouais.
Oh, mais elle va faire du bruit. Mais ça va marcher que pour vous, lui, il va pas les entendre. Ah, c'est con. C'est compris. Terminé. Il y a un truc derrière toi, tu l'entends en fait. Combien de soldats sont dans les tunnels? Lors du séisme, combien sont tombés avec vous? Aussi, attendez. Vous étiez seul pour nous attaquer? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Menteur! Je n'ai attaqué. Ouais, super. Vous m'avez attaqué. Couille. Et ma femme aussi. Merci, il a pas entendu. Votre femme? Couille. Oui, sur la faille. Elle est tombée. Tu dis pas des couilles comme ça, hein. On m'a proposé un screamer, j'en avais pas à part ça. Désolé. Croyez-moi, vous allez le payer. Ça m'a juste incroyablement choqué. Quelle profondeur ça a. Dropkick, ici Mailman 2-1 actuel. Je m'approche du passage Est. Terminé. Je vous vois. Mais ils font quoi, eux? Je comprends pas. Les analyses de Kellus indiquent une structure bien plus vaste. Just do it! Faites attention. Il y a un gros... Pourquoi elle s'arrête? Merde. Jamais je me retourne. Ces choses sont certainement passées ici en force. Do it! Celui qui maniait cette arme a toujours pour les contrer. Avant de se faire massacrer par derrière. Ces créatures sont malignes. Ce sont des prédateurs. Je te parie ce que tu veux. Si elles sont passées par là, elles pourraient revenir. Non mais moi je fais rien depuis tout à l'heure, j'en peux plus, j'ai eu aucune interaction. Je regarde un film. Je trouve qu'il y a très peu d'interactions par rapport au jeu qu'on a fait ensemble. Ouais, ouais, c'est ça. On regarde beaucoup sans rien faire. Et t'as un QTE pour quand on a un caillou, quoi. Ah ! Il y a quelque chose derrière. On va peut-être te rejoindre. Ah, je le vois. On va peut-être te rejoindre, en vrai, parce que là, je crois qu'on va descendre. Allez, avance! Pourquoi elle est long comme ça? Elle est dans l'eau. Oh, c'est juste dans mon dos, Ça va, vous l'entendez bien, Envy? C'est le... Moi, c'est absolu, je m'évanouis. Hein. Allez, avance. Sympa, c'est un bon goût de l'enfer. Et voilà. Je l'ai entendu, pourquoi tu te retes? T'es ravagé, hein. Ah, j'adore. Peut-être qu'elle aurait dû mourir, en fait. Hein. Bébé, quoi? C'est quoi tout ça? Je sais pas, t'as un timer, je crois. T'as un timer pour faire plusieurs trucs, je pense. Ouais, ça va être sympa. Ou alors, tu vois un flash. J'étais un flash à moitié forward. Pour le premier. Hein. Mais tu peux rien faire, en fait. C'est quoi? Ils ont trouvé un truc bizarre ici. Un passage. Non, sans blague. Quoi? J'ai rencontré quelqu'un? Je peux m'empêcher de penser si quelque chose à profondeur. Rencontré quelqu'un? De vivant? Ouais. Une américaine. Bah, c'était pas la nana qui était avec nous là? Si. C'est un odeur normal? Si. Ouais. Qui est morte au tout début? Bah elle est tombée. Elle est pas morte non plus. Elle avait l'air vivante ou elle avait pas l'air vivante? Ah bah elle m'aide. Juste nous faire sortir d'ici. Elle m'a sauvé en fait. Franchement, au point où on en est, je me foutrais même des joyaux de la couronne. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi moi je touche des petits bouts de tuyaux là? Bah franchement, je me sens useless. N'importe quoi. Hein. Parfait. Dans une mare de sang là. Bon point d'étranglement. Je vois quelqu'un. Saloperie, tu la crois, elle te dit. Profondeurs passe forcément par ici. T'as dit quoi? Cours. C'est comme Adrien. Ouais. Derrière toi. Dèche ces piliers pour couvrir toute la zone. Par contre, les fils de détente seront visibles. Tu crois que ces créatures les remarqueront? Mais pourquoi t'as un timer sur ton truc? Faut pas les sous-estimer. Si on piège les côtés, il y a plus de chances de les avoir. Moins de dispersion, mais ce sera mieux planqué. T'en penses quoi? Ces Moi, choses je sont la vraiment prudence. Sournoises. T'as raison. On met les charges sur les côtés du couloir. D'accord. Ça va leur faire un choc. On peut enlever le timer? J'avoue que c'est... Je crois que c'est un bug, en fait. Ça fait très peu de temps pour faire le B. Et c'est tout.
Non, on met des explosifs partout. C'est parti, les buggy. J'entends d'ici ton cerveau qui cogite. On va avoir un gros chargement, je pense. Ça va s'effacer. Oh, mais y'a pas de bug. Deuxième sommation. Putain, mais c'est n'importe quoi, j'ai tous les petits trucs en fait. Je veux plus qu'on revienne là-dessus. Moi, je me fais chier. Ah, je l'entendais derrière moi, il était tout lent. Tu sais que ces poches de contrôle étaient visées par les kamikazes. Il a fallu qu'on improvise. Il fallait faire un choix. C'était un mauvais choix. Oui, voilà, c'était un mauvais choix. Allez, arrêtez de blablater là. Aidez l'autre. Et puis le pauvre Irakien qui est attaché qu'à demander là. Tout le monde raconte des conneries pour s'en tirer. C'est pour ça qu'on est dans cet immense bac à sable, non? Je veux la vérité, Jason. Je tourne pas rond depuis qu'on a tué cette femme. Tu voudrais me faire croire que ça t'a absolument pas touché? On a merdé. Si jamais on sort d'ici, il faudra s'amender. Merci, Vernalou. Et si on crève ici, c'est peut-être qu'on le méritait. Oh, la meuf avec qui était, elle va pas bien. Ouais, elle tousse. Elle est trop morte en vrai. C'est une mort vivante. Je sais pas. Tu sais que je voyais Rachel. Tu te fiches de moi. Elle a dit que le monstre l'a amenée ici et la croyait morte. Depuis 3 semaines. Oh ! Est-ce qu'elle devait être évanouie ou un truc comme ça ? Oh ! Mon perso, il voit Rachel depuis 3 semaines. C'est armé. Bah oui. Bah c'est Nick. Elle disait Nick. Putain, j'avais oublié. À un moment, elle a dit t'es où, Nick ? Oui, bah parce que je pensais qu'elle le cherchait. Rappelez qui c'est Mailman demain actuel. C'est un vrai labyrinthe. Est-ce que c'est la structure que Kellus a repérée ? Terminé. Ce n'est pas possible, lieutenant. Il y a quelque chose de bien plus profond. Repliez-vous. Terminé. Place une caméra et on y va. Ça est trop chiant ton bug. Oh, ça me gonfle. Puis-je vous demander comment elle s'appelait ? Qui ça ? Oh, je parle de Rachel. Votre femme. Caillou qui roule, namaste mousse. Je vous interdis de parler d'elle. Quoi ? Des zombies maintenant ? J'ai vu un pied. Je ne cherche pas d'ennui. C'est juste. Oh. Encore le truc. Qu'on est coincé ici ensemble. Vous voulez parler ? D'accord. C'est encore plus effrayant. Pourquoi continuer une guerre que vous avez déjà perdue ? Ouais, Martin Freeman, il est trop vénère. Hein. Ouais. Vous croyez que je me bats par choix ? Alors que j'ai choisi d'être là. Je me bats pour envoyer mon fils à l'université. Essaye d'adoucir ses réponses un peu. Ouais, moi j'essaye. Villes, mais c'est vraiment ça. Oh, c'est cool. On en aurait tous besoin. Ouais, allez. Speedrun ? Mon fils, non, il s'appelle Zayn. Ça me fait quand même peur déjà. Elle s'appelait Rachel. Oh, check. Mais en fait, on a clairement des zombies, hein, nous aussi. Hein. Là, il y a eu... What ? C'est un zombie, ça ? Moi, j'ai l'impression d'avoir vu un zombie. Mais elle, c'est un zombie, déjà. Bah, c'est vrai qu'elle est toute blanche. Mais je pense pas. Je pense qu'elle est vivante. Merde ! Ça t'apprendra, espèce de nulos. Merde. Et sur ce mec, ouais, j'avoue, il est un peu naze. Franchement, il est naze. Mais je fais rien là. Regardez tout le temps que je passe à rien faire. On va relancer la radio et essayer d'appeler les secours. Ça se tente. J'ai eu 2 réponses à faire. Ouais, on n'est même pas sûr qu'il y ait un émetteur qui fonctionne à la surface. C'est-à-dire, il faut bien que ces câbles se bougent quelque part. Ils sont opérationnels, tu crois ? On dirait qu'ils sont simplement défaits. Mais tant mieux. J'ai pas trop envie de grimper là-haut. Oh non, mais ils sont trop nuls. Oh ! Un zombie. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, il y a des petits corps et tout. Ah, en fait, c'est les cadavres qui se transforment en gargouilles. Ah. Moi, elle fait que tousser, la fille. Elle va se transformer, fille. Donc elle est vraiment humaine pour le moment, sauf qu'elle est pas encore transformée. Mais elle était quand même un peu morte. Elle est en train de mourir, quoi. Trop chou, ses cornes. On se fait un scribble en attendant. J'avoue. Je me fais chier, moi, il se passait rien. Bon, là, il se passe un truc. Mais c'est bon. Ah, mais tais-toi, toi.
il a cramé. Tout seul. Ah, la lumière, des lumières du jour sur son passage, je crois. Ah non, c'est parce que j'avais une lampe à lumière logo. UV peut-être. C'est Dying Light. De grimper avec elle pour la sauver. Oh putain, c'est pas le bon bail. Ah, c'est bon, c'est réussi. Sérieux, c'est le seul. Non, ouais, mais tout, t'as pas de QTE pour ça. Et tu sais, j'assure. J'ai le timer, je suis en avance. J'avais jamais vu le gameplay de Day Night 2, plutôt cool. Ah, c'est. C'est à peu près aussi décevant. Je vois rien arriver par là. Mais là, le zombie tombe sur une vie. Mais je pensais que ça ferait ça. Encore, du moins. Oui, bah ça va. Hein. Bien sûr. C'était voir toutes les nerfs 2000 fois d'affilée, quoi. Au d'un moment. Ouvre l'œil. Terminé. Il sert à rien, lui. Mais comme ça, quand tiendra pas, ça tient 10 000 kilos, comme ça. Ah non, bah c'est bon, je peux. Oh, je peux jouer, putain. J'examine. Moi, j'ai un flashback. Flash forward, plutôt. D'un zombie qui tunique. En le. En c'est le... nul! En lui coupant le. En lui tranchant la nuque. Enfin, lui pas tranchant, mais en le. Bref. Tordant. En lui tordant, voilà, merci. C'est quand même dur le. Hein, mais non, le mais j'ai le chat, je regarde ton jeu, je regarde mon jeu, j'ai envie de pipi. Et le vocabulisme aussi. Ah, ferme. Ah, c'est bien, les QTE, ils sont sur le timer, c'est vachement cool. Comme ça, ça m'interpelle un peu moins vu que je m'habitue au truc blanc au centre de l'écran. Non mais c'est bien. Abandonner ou aider? C'est la première fois de ma life que je la vois jouer. Mais oui, non mais je peux plus. Abandonner ou aider? Abandonner moi je viens. Ah j'ai aidé du coup. Non mais il y a des doliprane là-bas je crois. Il a pas le gant là. Oh, elle va tomber. Ouais ce sera tant mieux. Ah non je l'ai... Attends comment j'assure trop. Arrête de tousser hein. Moi j'entends plein de bruit, ça craint, je sais même plus ce que je veux faire. Attends. Oh, qu'est-ce que je fous avec elle? R73. Je fais ça. Ok. Et toi tu veux pas venir me rejoindre, te rendre utile? Mais j'aimerais, mais je. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais un peu de tourisme. Tu joues à Duck Simulator à vous? Non, mais je fais du tourisme. Est-ce que je peux être rapide? Oh putain, le chargement il t'a pas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dehors dans la quête? J'ose pas relancer. Mais moi aussi. Le colonel pourrait perdre son propre front. Salut Morfufu, merci beaucoup. Salut Banané. Tu aperçois notre invité. Et sur pause, ouais. Salim? Non, parti. On affronte un ennemi dont on ne sait absolument rien. Un ennemi en nombre inconnu sur son terrain. C'est mal barré. Il assure trop pour sauver un futur zombie, par contre survivre avec Lux, bof, t'as vu? Faut essayer la radio. On la répare, on appelle... Alors, c'est pas un futur zombie, c'est un être humain. Un ancien être humain. En admettant un paracétamol, et c'est reparti. Il aura une portée limitée. Franchement, je vais avoir la même tronche, le 24. L'appui aérien, un hélico aurait pu nous capter. Les gradés, ils sont bons qu'à nous faire chier. Ah, ils sont méchants, les gradés. Non, voilà, moi je fais ça depuis tout à l'heure, là, j'explore et tout. Et si tu veux qu'on fasse start? Vas-y, on essaye. Moi, j'y crois, moi. Cool. Arrête de rire. Non, mais c'est catastrophique, ce jeu. J'en peux plus. T'as vraiment un bug horrible, quoi. Et le pire, c'est quand on fait start, ça disparaît. Vas-y, je passe à la suite. Et ça revient. C'est où? Ouais, là-bas. Près des escaliers. Ouais, non, voilà, là-bas. Ce serait bien le toilette vite fait, mais... Oh, moi aussi. Et on va pipi. On essaie de relancer ou pas? On peut. Non, c'est risqué.
Moi je me dis qu'on ira le chargement avec le gars. Il va nous parler. Ouais, c'est ce que je me dis. Il ira mieux. Il y aura le truc au milieu encore. On dirait qu'elle a été sabotée. Mais calmez Freeman. Ouais, il est trop vénère. Il va falloir qu'on se débrouille. Vénère. Au moindre mouvement, repliez-vous. C'est plus sûr à l'intérieur. Vous en êtes certain? C'est pas là que vous avez perdu l'Irakien? Il s'est enfui dans les tunnels. Il s'est enfui, salut? Ouais. Alors il je sais pas comment. Tu me racontes même pas à moi? Bah non. Il est pas des nôtres. C'est vrai. Il s'est enfui, Salim. Mais tant mieux. Je pensais qu'il disait ça, l'autre. Il y a personne, notre ami en bas. J'étais en mode. Merci. Non, notre ami, c'était un zombie qui a pris feu parce bien que j'ai foutu une lampe UV dans la gueule. Ah ouais, donc ils prennent feu direct avec les rayons ultraviolets, d'accord. La pause pipi est annulée pour cause de jeu pété. Oui, c'est un peu ça. Donc ça fait un choix. Tu devrais pas fumer. Exactement. C'est saleté de Turon, mon vieux. J'étais sûr. Le cancer du poumon, c'est pas mon souci numéro 1 en ce moment. Ouais, c'est pas faux. Mais je trouve que j'en fous vachement que Rachel soit morte, lui. Enfin. Il sait pas. Ça va il est au... Ah bah si, ouais, il lui a dit, c'est vrai. Ouais. Bah si, la maman, il a fait Rachel. Oui, il a juste fait ça. C'était juste ça. C'était. Rachel! Oh non, je dors mon trou de meuf! Oh, ce n'est qu'un signal fantôme. Même sans antenne, tu peux capter un signal résiduel. Et que dalle. Allez, répare-moi cette radio. Si on arrive à émettre un signal et à contacter Sencom, on pourra peut-être rentrer chez nous. Je sais pas, mec. Je suis pas technicien. Si Merwin était là, il pourrait le faire. Sans blague. Bah, faudra faire ça. Bah, fais-le, toi. Je te huc. Ouais, ça s'apprend comme ça là. Do it! Just do it! Ah, lui, c'est pareil dans les rapides. You said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Nothing is impossible! No! What are you waiting for? Do it! Oh, Murray, you be. Just do it! Yes, you can! Ah, c'est l'autre enfoiré là. Oui. Oh non, mais faut. Tu le. Salim, tue-le. Le calab, il y a de l'eau pour moi. Mon état, je ne sais pas, mec, madame. Ah, ça va, Salim. On a besoin d'un calab, d'où l'on a besoin d'ici. T'es gênant. D'où l'on a besoin d'ici. Il joue un jeu dangereux. Ouais. Il essaie de se faire convaincre. D'où l'on a besoin. Salim, انت تجننت اسمعني ساك لي اذا بافو مي قتلوا الامريكان وكانوا حيقتلوننا اخلص وامشي ورايا انت سامعني خالص لا ايفيو عشوا فيها وي يا اما تمشي ورايا يا اما خليك هنا وتعفن اختار كوك سليم سي سو مو وي جو لي جامي جوي الله يلعنك وحد لنفسك انا حاعد هنا. Oh putain, non, l'autre, tu les attaques. Hein. Bon, et la raid, non mais. Eh, c'est interminable. Et ils ont fait ça pour gagner du temps, hein. Putain, ça. Et tirer sur des fils. Ouais. Recule le micro. Ouais. T'es là dans le ravin. Colonel, retournez dans le temple. Attends. Je reste ici. On fait start ou pas? Je suis dit. Ok. Allez, pipi. Allez, pipi. Moi, je vais regarder, on est à combien sur la VOD? On est à 1h09. Et ben... Bon, on va la couper. Bisous VOD. Pause pipi. À tout de suite.